Je suis trop contente de vous retrouver pour cette première sur la chaîne Twitch de la CGT. Bienvenue à tous, comment ça va? Je suis avec une invitée hyper importante aujourd'hui. Je suis trop contente de recevoir Manon. Comment tu vas Manon? Ça va très bien, merci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Manon, tu es donc la déléguée syndicale de Verbaudet dans le Nord, c'est ça? C'est ça. On va un peu revenir sur qui t'es, sur ton parcours. Pour les gens qui découvrent, vous êtes dans une émission, ma foi, hyper chill. Je ne suis pas du tout stressée, d'ailleurs. Moi non plus. Pas du tout stressée, donc vous avez intérêt à être cool. Hein. Avec nous, je vois que vous êtes déjà super nombreux, donc merci beaucoup. On va commencer, on va être ensemble pendant à peu près une heure et demie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre au maximum. On va aborder plein de sujets aujourd'hui.
Donc voilà, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, je remercie la CGT de me laisser cette opportunité de présenter cette émission. S'il y a des problèmes de son, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on a des gens en régie pour nous aider, mais n'hésitez pas. Donc, salut Manon, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Oui, merci. Tu as pris un train ce matin pour venir nous rejoindre. Merci d'avoir fait le déplacement. Donc, je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu t'appelles Manon, tu as 30 ans et donc tu es préparatrice de commandes donc, au sein de l'entreprise Verbaudet depuis 2012. Ouais. Et donc, depuis novembre 2022, tu as aussi été élue déléguée syndicale. Et on t'a pas mal vu au printemps dernier parce que tu as, avec donc, tes collègues, mené avec brio une lutte. Une lutte victorieuse au sein des locaux de Verbaudet. Vous avez tenu le piquet pendant 3 mois, c'est ça ? 84 jours. 84 jours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on est en grève devant Verbaudet. Ouais, et vous avez même fini sur Paris, c'est ça ? Vous êtes descendu. On a fait des déplacements chez les actionnaires, en fait, et Keystone à Paris, en sachant qu'un de nos actionnaires, c'est le fils à François Fillon. Incroyable. Et que chez nous, notre siège social est à Tourcoing, Verbaudet. Et on a Darmanin aussi. ça a tout de suite été politisé, en fait, sans qu'on s'en rende compte, nous, à notre niveau. On l'a vu par la suite, mais ouais. On reviendra d'ailleurs là-dessus. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, vous êtes mobilisés au printemps dernier pour notamment demander une augmentation des salaires. Hein, vous parliez du fait que vous n'aviez pas d'augmentation des salaires, même après plusieurs années dans l'entreprise, qu'il n'y avait pas trop de possibilités d'évolution. Vous avez lutté aussi contre les espèces de négociations qu'il y a de l'entreprise qui essayait de vous faire passer des primes plutôt que des augmentations de salaires. Vous êtes aussi battu pour des meilleures conditions de travail, des meilleurs traitements. Hein, on reviendra là-dessus. Et c'est trop cool parce que vous avez obtenu gain de cause. Vous avez fini au bout de 84 jours par signer donc un protocole de sortie de grève qui correspondait en tout point à ce que vous attendiez. Oui. Hein, voilà. Et du coup, c'était donc en juin 2023. Hein, donc, c'était donc au début de l'été. Comment ça se passe depuis dans l'entreprise ? Alors, ça se passe on a un nombre de syndiqués qui évoluent déjà de jour en jour. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Vous êtes combien maintenant ? On est passé de 12 à la base. Hein, donc au mois de novembre, quand on a eu les élections en 2022, on était 12 personnes syndiquées Verbaudet. Et là, on est à plus de 80. Ah oui, donc une augmentation significative. Une belle augmentation, sachant que chez Verbaudet, en employés ouvriers, on est un petit 270. Donc on est presque à pratiquement la moitié des gens syndiqués. Oui, et puis en sachant que ça évolue et que ça va continuer à monter. Et avec l'entreprise, il y a... Avec l'entreprise, il y a eu cette grève hein, qui a mis en place un rapport de force entre les salariés et la direction. Hein, et un rapport de force qui continue de s'amplifier. Tous les jours, on se bat contre la direction. Hein, ils sont un peu revanchards, je vais dire. Mm-hmm. Donc, et revanchards dans le sens où, du coup, ils ont essayé de mettre en place des nouvelles choses. Oui, voilà, ils essayent... ils font tout pour nous casser les pieds, hein, faut dire clairement. Est-ce que tu parlais, par exemple, je me souviens un moment qu'ils vous laissaient même pas, par exemple, mettre du sirop dans votre bouteille, non, etc. Non, ça, non, c'est terminé ou ça continue ? Même manger. Non, ça continue. Okay. C'est même manger un biscuit. Enfin, il faut savoir que moi, je suis préparatrice de commandes chez Verbaudet et je suis au service prélèvement. Donc en fait, pour expliquer vaguement, c'est une zone de picking et les articles que les clients commandent, nous, on va les chercher dans les cartons, enfin, tel aller. Tu cours toute la journée, quoi. On fait en moyenne 25 km par jour, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et des fois, on a besoin d'un peu de sucre. En dehors des pauses, de nos deux pauses de 10 minutes, on a besoin d'un peu de sucre. Et même ça, c'est pas forcément toléré. Donc ça, ils l'ont pas entendu quand vous avez signé votre protocole. Je vous dis pas que ça empêche les gens de le faire. Oui, mais j'espère que. Mais du coup, voilà, on est obligé de trouver un petit peu des parades alors Non, mais c'est honteux manger un morceau de d'en arriver là à se cacher pour
juste vouloir prendre un peu de sucre pour se motiver à travailler. Tu penses que ce truc, c'est un peu un moyen d'avoir le contrôle sur vous? C'est des moyens de pression? Et c'est ça, ils essayent de garder un contrôle qu'ils ont toujours eu. Verbaudet, ils fêtent leurs 60 ans là, cette année. Ils ont toujours eu le contrôle sur les salariés. Et ils ne comprennent pas ce retournement de situation subi. Mais oui, carrément, inattendu surtout. Hein, ouais, donc, d'ailleurs, on reviendra là-dessus aussi sur... Donc ouais, non, c'est un combat qu'on mène tous les jours. Donc en fait, le combat, il n'est pas terminé. Ah non, mais je l'avais dit dans les dernières interviews que j'avais eues à la grève, le combat continue, comme dirait Kerry James. Et vous avez aussi obtenu la salarisation de nombreux préparateuristes de commandes en intérim. Est-ce que tu sens que aussi cette lutte, elle vous a soudé, vous les salariés? Comment ça se passe? Est-ce que mais bien sûr. Voilà, il y a peut-être plus d'entraide. La lutte, on l'aurait pas gagnée si on n'était pas solidaire, si on n'avait pas trouvé ce truc. D'union, il faut, j'entends toujours l'union fait la force, mais c'est exactement ça, c'est qu'ensemble, forcément, on est plus fort. C'est chouette, du coup, d'un côté, peut-être vous êtes plus en tension avec l'entreprise, mais vous êtes vous, entre vous, plus soudés. Carrément, et ils auront du mal, et voire ils n'auront pas l'occasion d'enlever ce que les filles, elles ont construit, enfin les filles, les garçons, parce qu'effectivement, on était beaucoup de femmes, mais il y avait des hommes aussi, mais ce qu'elles ont construit sur le piquet de grève... Elles se sont redécouvertes autrement. Et franchement, c'était... Ça redonne un peu d'espoir. C'est beau à voir. Non, mais vraiment, on a vécu des très belles choses. Des choses très dures, mais qui nous renforcent finalement. Donc, elles se sont découvertes différentes et différentes pour les hommes. Et peut-être plus fortes aussi qu'elles le pensaient. Et du coup, plus fortes. Et jamais la direction n'arrivera à enlever ce qu'elles ont su construire ensemble. C'est une qui tombe, c'est tout le monde qui la relève. Et puis, ce sera comme ça pour un bon moment, voire toujours, j'espère. C'est chouette. Du coup, moi, je voulais revenir un peu sur ce quotidien que vous avez, parce que, on parle de vous comme vous travaillez, vous êtes des ouvrières, hein, en quelque sorte, hein, mais c'est très large comme dénomination. Il y a des ouvriers dans plein de domaines. Précisément, du coup, toi, tu es avec tes collègues, vous êtes préparatrice de commandes. C'est quoi un peu le quotidien? C'est quoi vos activités? Qu'est-ce que vous faites dans votre métier précisément qui peut aussi... quelles sont les pénibilités, tout ça pour lesquelles vous êtes battues aussi pour obtenir de meilleures conditions? Parce que je sais que c'est un métier, moi par exemple, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Oui, on prépare des commandes, mais ça veut dire quoi précisément? Tu disais que vous marchez 25 km par exemple tous les jours. Oui, en gros, comment l'expliquer vaguement je vais prendre chez Verbaudet, après dans toutes les sociétés, c'est pas la même chose. Hein. Comme tu dis, préparation de commandes, c'est très vague. Chez nous, on traite donc les commandes que les clients passent par Internet, en magasin. Oui, parce qu'il y a commander. S'il y a un magasin quand même, il me semble. On a les magasins, on a même plein de magasins en France. Okay. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on tourne autour des 70 magasins. Ok, ce qui est pas mal quand donc, même. Donc, on est même à l'international. Le Verbaudet. Donc nous, on traite les commandes passées sur Internet. Donc on a des commandes de l'Allemagne, d'Angleterre, on a Espagne, Portugal. Enfin vraiment, c'est connu. Et on traite aussi les magasins. Donc on livre les vêtements pour les magasins. Tout. En fait, il faut savoir que Verbaudet, c'est très grand comme entreprise. Mais il n'y a qu'un seul site de logistique et c'est nous. En fait, on contrôle tout. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous bloquez, tout est bloqué. Ah ben oui, okay. Ah mais oui, on contrôle tout de chez nous. Le Surmarket Les Lilles, c'est vraiment, il y a un seul centre de logistique. Après, on a un peu de sous-traitance et tout ça, quoi. Mais le plus gros du travail est fait chez nous. Mm-hmm. Donc quand on bloquait la marchandise au début de la grève, on bloquait les clients, on bloquait les magasins... Une vraie force... On réapprovisionne les magasins. Enfin, vraiment, tout vient de chez nous. Et tu racontais aussi que vous vous leviez très tôt le matin. Oui, en gros, l'entreprise, elle tourne 24 heures sur 24. Donc, on a une équipe, c'est les 3-8. C'est 3-8. En fait, c'est ça, c'est les 3-8, mais nous, on est sur des postes fixes. C'est-à-dire que moi, il y a plus de 10 ans, j'ai commencé d'après-midi et je suis toujours d'après-midi. Quoi. Je fais partie de l'équipe de l'après-midi. Donc, le matin, il commence à 4h45.
Et les soirs, on finit nous à 19h15 et à 21h, on a une équipe de nuit qui réapprovisionne du coup en fait tout ce qu'on a été vidé pendant tout au long de la journée en fait. Du coup, il y a des gens qui, des préparatrices et des préparateurs de commandes qui ne travaillent que de nuit. Ah oui, oui, oui. Et en fait, la nuit, c'est beaucoup les hommes justement parce que c'est du réapprovisionnement. Donc, c'est remettre en rayon des cartons assez lourds. Enfin, il y a quelques femmes qui le font, mais clairement, c'est pas un travail. Un travail facile pour les femmes dû à la charge en fait des cartons quoi. Donc nous on fait, chez nous on fait donc le prélèvement c'est quand vous commandez sur internet toutes les références c'est les préleveuses en fait qui vont chercher dans tel carton tel article et on fait ça à longueur de journée donc en fait nous on a ça sous forme de listing Vous avez qui peut aller du... entre 15 et 300 pièces. Okay. Et on a un chemin à suivre avec des numéros d'allée, d'emplacement et tout ça. Et nous, on va chercher les cartons. Donc, en fait, on ne fait que ça. Et est-ce qu'il y a un peu un truc de chronométrage ? Est-ce que vous avez du temps pour faire les choses ? Ah bah oui, on est à la production. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière, on est passé de 140 à 175 à l'heure. En sachant qu'on prélève sur 3 zones et ça commence à l'allée 2 et ça finit à l'allée 174. Ouais. Et chaque train, on va de 2 à 174 pour faire un petit... c'est immense. Ouais. Et, c'est très répétitif et j'imagine qu'il doit y avoir une pénibilité c'est... aussi d'un point de vue mental parce que c'est j'imagine que c'est, c'est quand même un peu... au bout d'un moment, on fait la même chose toute la journée, mais j'imagine aussi au niveau musculaire, etc. Ah mais carrément, on est à la production, donc il faut courir et le dos, il traîne. Donc, dans une allée, ça va du carton 1 au carton 146 sur 3 étages. Donc, toujours, en fait, j'arrive dans l'allée avec mon chariot, c'est carton 1, je prends. En fait, on suit comme ça, mais on se baisse et on prend des mauvaises postures, mais répétées sur 7 heures. Minimum de travail. Tous les jours, du coup. Tous les jours. Un jour par semaine. Donc, le dos, il prend un coup. Depuis que tu es arrivée, parce que du coup, tu es là depuis plus de 10 ans, est-ce qu'il y a eu des évolutions en termes de technique ? Est-ce qu'on vous a mis en place des aides, des machines pour soulager la pénibilité de travail ou vous n'avez pas eu d'évolution à ce niveau-là ? Non, nous, on est toujours, contrairement à d'autres entreprises, on est toujours à l'ancienne, au manuel, on travaille à l'étiquette. On commence à faire des tests pour passer au beeper, mais nous, à l'heure d'aujourd'hui, on travaille. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est un peu comme faire ses courses en mode marathon, quoi. C'est exactement ça, non mais clairement, c'est ça. Mais tous les jours, et puis c'est même pas pour toi, quoi. Ouais, non, carrément, ouais. Du coup, en plus, c'est un métier qui est donc où tu disais qu'il y avait pas mal d'hommes, mais c'est très féminisé. Ah oui, enfin. Est-ce que vous sentez aussi un peu ce truc de qualification qui peut être un peu moins reconnue parce que vous êtes des femmes qui faites ce métier. Est-ce qu'il y a du mépris dans l'entreprise qui découle aussi de ça par rapport à. Ouais. Pas trop quand même. Avant ça allait. Ok. Ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé quand la direction elle a changé. De toute façon, il y a un an et demi, on a eu une nouvelle direction et des propos assez... Déplacés. Ouais, déplacés encore, je trouve que ça va. Pour rester poli. Ah ouais, non mais carrément, c'est pendant la grève, notre directeur logistique qui continue à nier, alors que ça a été dit à des élus de la CGT, hein, que les salariés, c'est comme la sodomie, si on met pas de vaseline, ça coince. Ou quand on était en grève, comme on était 80% de femmes dehors, il n'y a jamais eu autant de préservatifs à terre qu'en ce moment. C'est un peu une augmentation, mais vous pouvez crever dehors. Enfin, voilà, au final, non, parce que finalement, ils ont fini par céder. Donc, mais ils ont vu qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont tout essayé avant ça. Hein. Que j'imagine que quand on est en lutte et qu'on entend ça, ça nous donne tout sauf envie d'arrêter, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est... mais carrément, c'est que les filles, elles sont sorties parce qu'elles étaient en colère. On sortait des négociations annuelles. Alors nous, la CGT, on a été élus au mois de novembre. Avant ça, moi, j'avais été mandatée par l'UL de Tourcoing avec un mandat RSS, donc représentante de section syndicale. Trois ans avant ça, juste après les élections d'avant, en fait. Donc, j'ai été élue par la CGT de Tourcoing. Ils m'ont mandatée. Donc, après,
On a su ouvrir la section syndicale, on a su présenter une liste là au mois de novembre pour les élections. Donc en fait, si je comprends bien, il n'y avait pas de section syndicale avant ça. Pas la CGT. Ok. Il y avait d'autres. Voilà, on avait d'autres syndicats, donc okay. Pas plusieurs syndicats, mais on n'avait pas la CGT. D'accord. Et moi, si je me syndiquais déjà à la base, c'était sûr que c'était à la CGT. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai été à l'UL de Tourcoing pour me syndiquer. Et qu'est-ce qui t'a motivé d'ailleurs à te syndiquer précisément là-bas? Ben, déjà, les syndicats à l'intérieur. Oui, très bien, ils ont fait du bon travail. Déjà, les syndicats à l'intérieur. Et moi, c'était, si je venais à me syndiquer un jour, c'était la CGT ou rien, en fait. Et du coup, vu qu'ils n'y étaient pas, ben... Et comme ils n'y étaient pas et que il était plus que temps que ça revienne, je suis allée me syndiquer. Et puis, l'UL de Tourcoing m'a mandatée tout de suite en représentant de cette section syndicale, du coup. Et j'ai fait ma petite popote calmement, parce que je suis quelqu'un de très calme. Calmement, oui. Et puis voilà. D'ailleurs, t'as surpris beaucoup, d'ailleurs, je voyais en lisant quelques articles qu'il y avait pas mal de responsables d'entreprise qui étaient surpris de te voir toi à la mon tête mari, de ça. Mon mari, hein, qui est en train de regarder, d'ailleurs, je pense que ça a été le premier surpris. Mais oui, après, je suis quelqu'un de très calme, très discrète, mais ça n'empêche que j'ai mes idées et que... Et oui, il n'y a pas besoin de crier. Et que je suis têtue. Mais ça, on l'a vu. J'aime bien aller au bout de... Du coup, c'est vraiment vous, les salariés, qui avez amené la CGT dans l'entreprise et pas les patrons qui ont décidé Ah non, mais du tout. Et du coup, ça a été vu comment? D'ailleurs, j'imagine, ça a un peu... Ça a été accepté tout de suite? Mal. Alors, mon responsable, à l'époque, quand je me suis syndiquée, que j'ai été mandatée par l'UL de Tourcoing, ça me fait rire, hein. Il y a la retraite maintenant, ce monsieur. Et ça me fait rire parce qu'il m'a dit « Non, mais vous pensez vraiment que vous pouvez faire ce que vous voulez, la CGT ?» Ah, ça a été quelque chose. Ouais. Ça a été quelque chose. Donc, c'est tout de suite mal passé. Mais bon, après, ça ne m'a pas découragé. Enfin, ce n'est pas une histoire dont on accepte ou pas. C'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Voilà, ouais. Vous n'avez pas le choix. Et, non, mais c'est quand même un peu osé parce qu'on peut se dire, voilà, on peut avoir aussi ce truc d'avoir un petit peu peur de monter. Mais on a l'impression d'ouvrir une entreprise dans son entreprise. Du coup, j'imagine que ça t'a appris plein de trucs. Ça a changé quoi dans ta vie de te syndiquer au niveau de ton travail, même au niveau de ta vie perso? Ça t'a apporté quoi? Bah, moi, à la base, déjà, je me suis syndiquée, donc on va en revenir là-dessus. Je me suis syndiquée parce que je connaissais bien les élus qui étaient là depuis longtemps. Et ce qui se passait, ça m'allait pas. Après, j'avais pas de visu sur les réunions, j'avais pas de visu sur les NAO, donc on entendait ce qu'on voulait bien nous dire. Finalement, c'était ça. Donc, en étant ouvrière, hein, parce qu'avant tout, je suis salariée ouvrière verbeudée, je parlais avec mes collègues et tout. Et puis, il y a plein de choses qui faisaient que... plein de points sur lesquels on n'était pas d'accord. Mais on n'avait pas de pied pour... Il fallait avoir un pied dedans pour changer les choses. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je ne suis pas contente. Tout le monde n'est pas content parce qu'on vit tous la même chose. On a tous la même façon de penser. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Et il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui prenne C'est clair. Le taureau par les cornes et qui aille, quoi. Donc, je me suis lancée. Mais j'ai eu peur. Au début, franchement, j'avais l'impression d'ouvrir une entreprise dans mon entreprise. Ouais. Et en plus, un peu jeté dans le bain. Après, j'ai eu un soutien de l'UL de Tourcoing qui est... Oui. T'étais pas toute seule. Pas du tout. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, tu as ressenti vraiment cette solidarité, peut-être que tu n'avais pas forcément anticipé au début. Ah, mais non, mais personne. Franchement, même durant la grève, hein, on a vécu des choses. Enfin, il y a eu un élan de solidarité. Personne n'était prêt à ça. On va revenir dessus. C'est horrible. D'ailleurs, du coup, tu me lances parfaitement. Je voulais juste, avant qu'on retourne un peu sur le piqué, hein, on va retourner voir un peu... tu vas revenir sur ce qui s'est passé, comment vous avez mené la lutte. Mais juste avant, je voulais un peu montrer à ceux qui nous regardent. Je voulais montrer... Alors, attendez. Je voulais revenir sur une vidéo. Alors, je ne sais pas si on l'entend. Imagine. Nous, vous ne l'entendez pas? Si, il me semble que les gens dans le chat, non. Vous avez... Je vais laisser regarder un peu. Oui, ils l'entendent. Mais toujours le bras levé, levez la tête, prouvez le torse. Donc, en gros, pour revenir un peu...
pense que les gens ont compris un peu de quoi il s'agissait. Et je voulais, donc c'était le moment où meilleur bref, et oui. C'était le moment où donc sur le piqué vous avez repris donc cette version de viser la lune, mais version viser la thune. C'est on ça. Sent vraiment un peu cette solidarité devenue presque famille. Et donc tu m'as un peu expliqué que ça avait vachement renforcé votre lien, ça avait vachement permis de même peut-être vous connaître plus. Comment ça s'est passé sur le piqué? Tu me disais que c'était jour et nuit. Ouais. Comment vous vous êtes organisé parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens, parce qu'on a souvent ce truc de ouais, le piqué est monté, mais c'est tout un truc à gérer, quoi. Ouais, bah oui. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que les filles qui étaient en équipe du matin restaient en équipe du matin, donc elles tenaient le piqué de 5h à midi. Nous, l'après-midi, les filles de l'après-midi prenaient la relève de midi à 19h-20h. Des fois, les filles, elles dépassaient. Leurs heures de travail à la base, hein, mais on se relayait comme ça, qu'il y ait toujours quelqu'un. Et du coup, parce qu'il y avait quand même des hommes, même s'ils n'étaient pas nombreux, il y avait des hommes qui bien étaient sûr. Là. Et du coup, les hommes, ils s'étaient proposés de, eux, tenir la nuit. D'accord. Parce que, donc, il y avait quelques femmes aussi la nuit, mais en majorité, c'était des hommes. Vous étiez combien à tenir le piqué, à peu près, tu penses? Nous, on a commencé la grève le 20 mars à 4h du matin. Alors on a pris ça, c'était pendant le mouvement pour la réforme des retraites. Hein, donc l'UL de Tourcoing, on avait mis en place une stratégie, je ne sais pas comment vous on avez peut appeler de ça. Cours, l'UL de Tourcoing, en fait, elle est venue du lundi matin bloquer l'entrepôt. Donc à tout le monde, à 4h du matin, bloquer l'entrepôt. Et puis j'imagine je suis arrivée. Il n'y a pas que les préparateurs et les préparatrices de commandes à cette heure-là. Est-ce qu'il y a d'autres Si. À cette heure-là, il n'y a que vous. Donc il y a les ouvriers, clairement. Il n'y a personne des bureaux, à part les agents de maîtrise des équipes du matin, quoi. Parce qu'il faut toujours des agents de maîtrise, quoi. Donc. Donc, l'UL de Tourcoing, elle est venue bloquer l'entreprise pour la réforme des retraites. Et je suis intervenue dans la foulée. Et comme on sortait des négociations peu de temps avant, j'ai dit, est-ce que ce ne serait pas l'occasion qu'on se mette en grève quoi, pour les salaires? Ah oui, donc ça s'est fait vraiment spontanément de se dire, tant qu'à faire, autant... On est dehors. On est dehors. Pourquoi on n'y resterait pas? Parce que moi je m'étais dit, est-ce que ça a été préparé en amont? Comment vous avez mis tout ça en place? Ça a été préparé sur le truc où l'UL de Tourcoing est venue bloquer l'entreprise pour la réforme des retraites, quoi, en pensant qu'on allait être délogé par les CRS quelques heures après. Et voilà, mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça et les gens avaient envie depuis longtemps. Les salariés, ils avaient envie, mais entre avoir envie et oser, il y a un pas à faire, quoi. Et il fallait juste leur donner le déclic, en fait, de se dire... la grève, c'est un droit. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra gagner quelque chose, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Verbaudet, on n'a jamais fait grève chez Verbaudet. Ça fait 60 ans que Verbaudet, ça existe. Ils n'ont jamais connu la grève. Ils ont eu... On a fait des petits débrayages avec le syndicat Force Ouvrière qui était majoritaire pendant longtemps et qui l'est encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais on avait fait des débrayages d'une heure, deux heures et après on rentrait, on courait pour rattraper le travail qu'on avait perdu. Donc, on connaissait. Okay. Stopper la production, c'est inédit. On ne connaissait pas. Ça a eu un impact d'ailleurs sur l'entreprise? Ah bah oui. J'imagine, mais du coup, ça a eu quel impact sur l'entreprise? Ça a eu un impact financier déjà, parce que on a réussi à bloquer la marchandise pendant plusieurs jours, donc c'est-à-dire les clients qui n'étaient pas livrés et les magasins qui n'étaient pas réapprovisionnés. Donc si, ça a eu un impact. Donc tout de suite, ils ont fait intervenir des huissiers qui nous ont assigné. D'ailleurs, si je me trompe pas, ils ont essayé aussi d'embaucher des intérimaires. Ils n'ont pas essayé, ils ont embauché des intérimaires. Ce qui est complètement illégal, on le rappelle. Mais carrément. Et encore une fois, comme ça a bien été politisé le conflit dès le départ, et
on s'en est pas rendu compte tout de suite, c'est que quand on est passé au tribunal, hein, parce que moi j'ai fait intervenir avec les élus l'inspection du travail pour attester qu'il y avait bien des intérimaires, enfin on était tous dehors, enfin une bonne partie dehors, et le parking était plein. Enfin, c'est pas possible. À un moment donné, et puis ces intérims, on les voyait passer à pied. D'ailleurs, ça se passait comment ? Parce que j'imagine que vous connaissiez pas ces gens-là. Les nouveaux intérims, on les connaissait pas. Après, on avait des, il y a des salariés qui se sont pas mis en grève et qui passaient avec qui on discutait. On leur expliquait pourquoi on était là. Après, Tensions un peu. Oui, ou c'était cordial. Oui, quand même, non, il y a eu des tensions, mais après, fallait juste expliquer que le combat, on n'est pas sorti pour faire un combat entre salariés. Enfin, clairement, oui, vous pas... luttiez aussi pour eux, quoi. Mais carrément, et ça, fallait juste leur faire comprendre. Après, moi, tout le monde ne peut pas faire grève, et ça, je le conçois totalement. Oui, parce que c'est quand même une c'est perte. Difficile. Et puis moralement, parce que physiquement, j'ai envie de dire, on fait pas. Plus pas grand chose, voilà. Mais après, rester dehors toute la journée, moralement, c'est quand même pas... encaisser les coups de la direction, encaisser le mépris de la direction, c'est hyper compliqué. Donc, je comprends que tout le monde n'est pas capable de faire grève, mais faut soutenir ceux qui sont là pour se battre pour nous. Et puis, il y a eu des conflits, mais c'est très vite passé, franchement. C'était pas encore une fois, il fallait pas se tromper d'ennemi, ouais. Notre ennemi, c'est la direction, c'est pas les salariés entre nous, on n'est pas là pour tirer dans les pattes entre nous, on est là pour casser ce patronat. Et d'ailleurs du coup c'était la première fois du coup que tu menais une lutte comme ça. Et du coup, comment ça se passait, comment vous arriviez à discuter, est-ce que vous faisiez tout sur le piquet, est-ce que vous aviez vous organisiez des réunions un peu pour en nager, voter des choses, tu peux nous raconter un peu, histoire que peut-être si des gens ont envie, sont, comment dire, motivés, sont inspirés, de savoir un peu comment ça s'est passé, pas un parcours type, mais presque, quoi. Oh, ça a été très improvisionné quand même, parce qu'on s'attendait pas du tout à ça, on s'attendait pas du tout à rester 84 jours dehors, c'est énorme. D'ailleurs, c'est passé surtout vite, en hiver. vous l'avez senti un peu passer, C'est passé vite quand on y pense, mais il y a des instants où ça paraissait interminable. Franchement, il y a des journées où il se passait tellement rien. On reste des humains, on doute. Est-ce qu'on fait bien d'être là ? Est-ce que ça va réellement aboutir ? Est-ce que ils ont essayé de nous épuiser moralement et qu'on rentre d'épuisement. Oui, que vous abandonniez. C'est ça. Ils ont tout essayé pour qu'on abandonne avant de pouvoir. T'as des exemples de choses qu'ils ont essayé de faire ? Mais oui. Enfin, je vais peut-être oublier certaines choses, je vais reprendre certains points. Donc, on s'est mis en grève à la base pour l'augmentation des salaires, les conditions de travail et puis l'embauche des intérimaires parce qu'ils ont un recours abusif aux intérims. En grosse période, on peut tourner à 300 intérimaires chez nous. Donc, ils préfèrent embaucher des intérimaires plutôt que de salarier des gens. Et puis, il y a ce nouveau truc, système de CDI intérimaire. Enfin, à un moment donné, ça les aide pas du tout. Les intérimaires, faut dire ce qui est. Ce qui reste précaire, du coup. Mais carrément, c'est oui, effectivement, t'es embauché pendant 3 ans maximum. Après, tu reprends ta vie d'intérimaire. Ça aide pas. Déjà, les patrons ne sont pas pour les embaucher, mais encore moins avec ça. Enfin bon, bref, c'est une petite parenthèse. Oui, non, mais c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi ils ont recours aussi à des intérimaires. Mais oui, non, mais c'est complètement... bon, bref, c'est une petite parenthèse, rien à voir. Du coup, vous battiez aussi pour ça. Mais oui, carrément. Donc, quand on s'est mis en grève, le premier jour, ils ont fait venir huissier. On a été assigné dès le premier jour au tribunal par l'huissier, parce que, soi-disant, on bloquait l'entreprise, alors que nous, en tant que salariés, on n'a jamais bloqué. Vous empêchiez personne de rentrer en soi. Et on n'empêchait pas. Je veux dire, nous, on n'a jamais bloqué, en tant que salariés, on n'a jamais bloqué l'entreprise. Par contre, les soutiens extérieurs de toute la CGT, parce qu'on a eu un soutien énorme, eux, ils venaient et ils empêchaient les camions de rentrer et sortir. Mais nous, on n'a pas le droit de le faire. Oui. Voilà. Oui. Donc. Mais vous avez quand même. Enfin, vous n'aviez pas le droit de le faire, mais si on bloquait l'entrée,
Vous laissiez faire. Mais oui. Parce que c'était quand même dans votre intérêt. Mais à un moment donné, si le patron, on ne le touche pas au portefeuille, on ne le touche pas. Quoi. À l'heure d'aujourd'hui, franchement, on serait resté assise devant à attendre que ça se passe. Aujourd'hui, on y était encore, je pense. Oui. Donc, à un moment donné, il faut essayer de taper fort et puis de les prendre là où ça les intéresse, donc l'argent. Et finalement, cet argent est à nous, donc pourquoi eux, ils l'auraient ? C'était pas négociable. Donc, on a su bloquer la marchandise non-stop pendant... trois jours et demi, je pense. Donc, c'est en bénéfice. J'ai plus les montants, mais je crois qu'on parle en millions d'euros. Hein, donc, ah oui, donc vraiment l'impact négligeable, voilà. Si peu de temps quand même. Mais oui, non, mais carrément, carrément. Incroyable. Donc, on a été assigné tout de suite dans la foulée par leurs huissiers. Et puis, le lendemain, j'ai vu un défilé d'intérimaires. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, un peu hallucinant. Enfin, non, mais carrément. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quand même interdit de remplacer des salariés en grève par des intérimaires. Sinon, encore une fois, on n'a pas d'impact. Bah, on peut rester dehors, en fait. Ils nous payent pas, l'employeur. C'est pour ça que c'est illégal. Parce et le travail est quand même fait. Mm-hmm. Donc, non. Donc, je me suis mise en contact avec l'inspection du travail. Hein. Tous les élus, on a contacté l'inspection du travail. On lui a expliqué ce qui se passait et il est venu constater les intérimaires et les registres qui n'étaient forcément pas aux normes. Enfin, voilà, il y a eu tout un travail. Ça a été constaté. J'ai reçu par mail des constats, du coup, de l'inspection du travail qui disaient bien qu'il y avait plus d'intérimaires, limite que de personnes en grève et tout ça, et des intérimaires qui étaient embauchés à partir de telle date et tout ça. Ah oui, donc, on est passé au tribunal. Vous avez gagné. Eh ben non. Ah ouais, pourtant ça paraît fou. Bah ouais, mais non. Bah non, parce qu'est-ce qui a bloqué ? Alors la conclusion qui en est sortie, c'est que le constat de l'inspection du travail n'était pas assez détaillé. Ok. Donc encore une fois, quand je dis que tout est politisé et que tout le monde y a mis son nez et a tout bloqué, c'est clairement, ce qui s'est passé. C'est fou. Donc on a eu cette défaite. Enfin, ça a démoralisé les filles, clairement. Elles se sont dit... on n'obtiendra jamais gain de cause. On est dehors, ils sont tous à l'intérieur, les intérimaires en train de faire notre travail. Ça n'a aucun intérêt, mais... Donc, on a fait une assemblée générale avec les élus. Et puis, on a mis les choses au clair en leur disant « Est-ce qu'on est sortis parce qu'ils ont embauché des intérims sur le dos des grévistes ?» Non, on est sortis parce qu'on a faim. On est sortis parce qu'on a besoin d'argent. Parce qu'avec l'inflation... Déjà, sans l'inflation, on n'a pas une vie de luxe, loin de là, voilà. Mais avec l'inflation, c'est juste plus possible, quoi. Donc, rappelez-vous pourquoi. Et du coup, là, ça a reboosté les troupes. Et puis, voilà, si on vous a aviez fait autant, il ne fallait pas s'arrêter là, quoi. Mais oui, tout ça. Mais oui. C'est, oui, on a eu une petite défaite. Mais contrairement à ce qu'on va gagner déjà en imposant notre rapport de force. Parce que, je veux dire, le rapport, on a mis 84 jours, on est resté 84 jours dehors. Mais le rapport de force, on l'a eu... très très longtemps avant. Donc c'était déjà une victoire, c'est de se dire, on est dehors, on affronte la direction, enfin, mais on l'affronte vraiment. Quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Mais jamais. Mais déjà, moi, quand on est sorti le premier jour, je me suis dit, les filles vont rester un jour. Le deuxième jour, bon, deux jours, une semaine. Alors 84 jours, jamais on a pensé qu'on resterait 84 jours dehors. Et ça a été grâce au soutien extérieur qu'on a eu. Après, il y a eu cette répression policière. Dont on reviendra aussi dessus. On a subi, qui a été très, très dure. Violente, j'imagine. Ah oui, non, mais carrément. Ça aussi, il faut savoir que la direction de Verbaudet, le préfet... le maire de Saint-André, ils se sont vus dans une réunion off un dimanche en disant qu'ils allaient tout mettre en place pour faire rentrer les salariés de leur propre gré. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ils étaient prêts à tout. Donc ça a bon, été ça a été pensé. Ça a été un échec pour eux. Oui. Il y a quand même eu une répression dont on reviendra dessus qui était quand même. Mais oui, on était plus tenaces qu'ils le pensaient. Ce qu'il y a, c'est qu'on fallait juste quand il y a parce qu'il y a eu des moments de faiblesse, hein, où certaines filles, elles venaient, elles étaient un peu désemparées et on était là. Fallait, en fait, c'est compliqué, c'est qu'il faut cibler les personnes qui sont ce jour-là moralement affaiblies avant qu'elles aillent propager leur faiblesse
sur les autres. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un effet domino, c'est-à-dire mais que oui, tout le monde se motive aussi, aussi facilement que tout le monde peut se démotiver. C'est ça, ouais. C'est que dès qu'il y avait une salariée en grève qui était un peu moralement plus affaiblie que les autres, tout de suite, d'autres salariés, elles venaient nous voir, nous les élus, en disant non, un tel, elle va pas bien, faut aller la voir. Du coup, elle affaiblit les autres qui étaient bien à la base. Donc tu t'es retrouvée aussi à devoir apporter un soutien psychologique. Mais c'est toute l'histoire de la grève, je pense. Hein. De toute façon, c'est que du psychologique. C'est là où c'est fatigant. Enfin, c'est une fatigue dure parce que c'est une fatigue morale. Parce qu'au niveau physique, en fait, vous avez déjà tellement... Oui, et puis physiquement, je veux dire, à part le mauvais temps. Parce qu'il faut dire que dans la boue, on rentrait chez nous, on était mouillés. C'était l'horreur, quoi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment moral, c'est psychologique. On essaye de nous épuiser psychologiquement. Et je pense que c'est la pire des fatigues. Donc non, après, nous, les élus, on était là. Et puis, on faisait en sorte de motiver tout le monde. Après, on a fait des erreurs parce qu'on vient d'être élus. On n'est pas formés, comment je vais dire. Vous avez été formé un peu dans la rue, quoi, genre littéralement. En fait, nous, voilà, on a fait l'action avant les formations, comment je vais dire, j'ai plus le mot en tête, mais les formations... Un peu officielles. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que nous, directement, on a été dans la... Comme quoi ? Mais oui. C'est d'une belle leçon de se dire, c'est pas parce que vous ne maîtrisez pas le sujet que vous pouvez pas mener une lutte qui sera... Pas du tout. C'est comme il est noté, je sais pas de qui, mais c'est la meilleure des formations, la lutte. Effectivement, je pense qu'on apprend beaucoup plus que derrière un bureau à écouter. Parce que sur le terrain, on a une vision de ce qui se passe concrètement. Et du coup, tu prends des décisions un peu sur le tas, mais qui correspondent aux attentes de chacun. C'est ça. Puis il fallait faire régulièrement des assemblées générales. Donc oui, d'ailleurs, c'était à quelle fréquence ? Au moins une par semaine. Ok. Donc, vous faisiez ça dans la rue ? Vous aviez des... Le piquet de grève, nous, les élus, on faisait des assemblées générales pour reconduire ou pas la grève, parce que c'est démocratique et c'est les salariés qui décidaient si oui ou non. Du coup, chaque semaine, c'était revoté. Voilà, chaque semaine, c'était revoté. Puis la majorité disait que oui, on restait, donc tout le monde restait. C'est beau. Alors, on a perdu quelques salariés... Entre-temps, mais bon, on a commencé, on était 120, on a fini au bout de 84 jours à plus de 80. Oui, donc c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Vous n'avez pas fini à 3 Non, mais... Et puis j'imagine qu'il y en a peut-être qui vous ont rejoint aussi entre-temps. Oui, c'est ça. On a eu des départs, on a eu des arrivées. Enfin, c'était très, très diversifié. T'as beaucoup parlé des soutiens que vous avez eus. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué parce que dans une des interviews, t'avais dit que toi, personnellement, tu étais politisé mais que tu n'avais jamais voté. Alors peut-être que ça va changer, peut-être que ça a changé, mais comment toi personnellement et comment avec les autres en grève, vous avez vu l'arrivée de certains... Parce qu'il y a eu la CGT qui était là bien sûr avec vous, mais l'arrivée de certaines personnalités politiques de gauche. Comment vous avez vu ça ? Est-ce que vous l'avez vu comme une récupération politique un peu ? Parce qu'ils sont venus vous voir sur le piquet, certains d'entre eux. Est-ce que vous étiez au courant ? Comment ça s'est passé ? On était au courant quand ils allaient intervenir. On était au courant. Et ça s'est bien passé dans le sens où, du coup, ça permettait aussi de faire diffuser un maximum ce qui se passait. Médiatiser, j'avais plus le mot. Oui, donc, ça a médiatisé... pas mal. Ça a permis qu'on en parle aussi. Oui, peut-être les médias en ont parlé parce que telle personnalité est venue. Mais carrément, c'est que dès qu'il y avait une personnalité qui venait, il y avait une foule de journalistes. Alors qu'en vrai, ça va pas forcément changer grand-chose qu'ils viennent. Enfin, je veux dire, pour vous, ça vous a donné de la médiatisation, mais ils ont rien. Ils ont rien fait de particulier à paraître là, quoi. Oui. Après, on a eu des soutiens aussi financiers. D'accord. Hein, okay. C'était important. Donc, Ils vous ont aidé financièrement aussi. Mais oui, on a eu des soutiens financiers. C'était important de les avoir. Et puis, dans une période de grève, quand on est en grève, le plus important, c'est le soutien. C'est ce qui fait tenir le piquet. Franchement, on avait besoin d'être soutenu de tout le monde. Enfin, je veux dire, donc, la CGT, forcément, l'UL de Tourcoing, qui a fait un travail monstrueux pendant les 84 jours. Après, il y a d'autres
syndicats d'entreprises CGT qui sont intervenus et qui nous ont apporté un soutien. Et on a des gens qui venaient tous les jours de syndicats. Je ne vais pas tous les citer parce que je veux en oublier. Je ne veux pas... Oui, non, t'inquiète. Je veux pas... voilà. Mais ils se reconnaîtront. Mais bien sûr. Franchement, on a eu un soutien donc, de la CGT, la Fédération qui est intervenue, la Confédération qui est intervenue. On a eu la France Insoumise, on a eu le Parti Communiste, on a eu le PTB, la Belgique. La Belgique, oui, puisque vous n'êtes pas loin en plus de la frontière. Qui nous a apporté un soutien. Et vous avez aussi du soutien de d'autres entreprises, parce que je sais que dans le Nord, il y a eu, on va dire cette année, il y a eu quand même pas mal de mobilisation dans des entreprises. Je pense à Emmaüs, notamment. Est-ce que vous avez reçu... Emmaüs, ça a commencé après. Ça a commencé après. Ouais. Ça a commencé juste après qu'on soit rentré. Il y a eu Valdune aussi, il me semble. Valdune. Je ne sais pas dans quelle temporalité. Moi, Valdune, je suis allée les soutenir aussi un vendredi, je ne sais plus, pendant mes vacances d'ailleurs. Je suis allée les soutenir et ça avait commencé avant, ils avaient stoppé, ça a repris par la suite. C'est un peu compliqué, mais de toute façon, faire grève, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué si on n'a pas le soutien derrière. Enfin, clairement, on ne tient pas. Nous, est-ce que vous aviez aussi un soutien? On vous apportait peut-être des choses, de la nourriture. Ouais. Et c'est déjà là en venir. C'est que même des particuliers, des gens qui sont... nulle part, hein, juste, voilà, qui passaient dans la rue et qui s'arrêtent en voiture et qui nous donnait de l'argent. Mais ça pouvait monter jusqu'à 500 euros par jour. Enfin, je sais pas si... Mais on s'est dit, mais c'est pas possible. On a l'impression que les gens, maintenant, c'est chacun pour sa pomme. C'est très individualiste. Hein, mais oui, mais carrément. Et finalement, pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est des gens qui venaient nous ramener des montagnes de crêpes. Enfin, j'avais même mal au cœur pour la femme qui avait passé 4 jours derrière sa poêle à faire des crêpes. Franchement, mais c'est beau. Il y a un élan de solidarité qui se crée, mais... En vrai, tu te dis face à ça, en fait, les patrons, ils pourront essayer ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Si les gens sont solidaires, si les gens sont unis, mais on pourrait tout casser. C'est beau, ça. En tout cas, on espère que ça montrera peut-être aussi l'exemple pour peut-être d'autres entreprises qui, comme la vôtre, n'avaient jamais été en grève jusque-là. Peut-être vont se dire, en fait, s'il y a peut-être un quoi à aller chercher, un quoi à prendre, c'est hyper motivant. Je pense que les gens sont vachement inspirés de tout ce que tu dis. Je voulais aussi un peu m'intéresser du coup à cette cohésion territoriale et interprofessionnelle que tu as déjà évoquée, parce que le Nord, je pense que j'apprends rien, que c'est quand même un bastion ouvrier hyper important. Et y a d'ailleurs un très bon documentaire que je vous recommande qui s'appelle ouvriers. Nous les ouvriers. Exactement, tu l'as vu? Ah mais oui, il est canon. Et tu trouves qu'il retrace pas mal de choses? Mais carrément. Mais vraiment, je l'ai regardé avec mon mari... En replay, mais il est canon. Et franchement, ça décrit. C'est plaisir à voir, d'ailleurs. Mais oui, je l'ai dit à mes collègues, faut le regarder. C'est vraiment... Parce que, on décompte en France... On revient sur plein de choses que... Des choses basiques, en fait. Et puis sur les acquis, parce que tout ce qui a été acquis par la force, par le rapport de force... Faut le dire, les gens ils oublient, ils pensent que la sécurité sociale ça a toujours existé. On est né alors non, que c'est ça, c'est grâce aux ouvriers aujourd'hui qu'il y a autant de droits. C'est grâce aux ouvriers unis. Et c'est encore une fois, on en revient là, c'est il faut être unis, il faut être solidaire, et on pourrait obtenir. Encore plus, penses ? Mais carrément. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été obtenues et que les gouvernements successifs ont tenté aussi de un peu d'abattre, notamment, je pense aux 35 heures, je pense à toutes ces choses-là. Même la sécurité sociale, t'en parlais. Donc, ça passe par les ouvriers, c'est beaucoup passé par les ouvriers, et ça, je pense qu'on l'oublie souvent. Mais oui, une fois qu'on arrête de leur faire gagner de l'argent... Je ne vais pas dire, mais une fois qu'on récupère notre richesse, parce que c'est nous la richesse. Oui, donc, sans les ouvriers. Mais oui. Donc une fois qu'on les prend au portefeuille, comme on a fait avec nos patrons, une fois qu'on prend l'État au portefeuille, on peut tout demander finalement, on peut tout obtenir. C'est une belle leçon. On peut tout obtenir. Tenir le portefeuille. Mais oui. Dans ce documentaire, d'ailleurs, il rappelle qu'en France, il y a 5 millions d'ouvriers et d'ouvrières. Millions, oui. Rien que dans les Hauts-de-France, vous êtes 500 000.
Et du coup, ça m'a amené à me poser une question sur un peu cette culture du militantisme et du... Parce que forcément, les ouvriers, voilà, c'est les luttes, comme on en a parlé. Est-ce que tu pourrais témoigner que tu as grandi peut-être dans un environnement où tu as été familiarisé à ça, peut-être dans ta famille, des choses comme ça? Si tu as envie d'en parler, de ce background dans ma un peu. Famille, dans ma famille, ma mère est ouvrière, ma grand-mère était ouvrière, ma tante, enfin... on est quasiment tous, quasiment. Mon frère et mon frère et tu te voyais pas faire autre chose alors non, quand j'étais petite, quand ma mère elle me disait Manon, tu veux faire quoi plus tard, je disais pas maman, je vais être ouvrière. Oui, bien non, sûr, non, j'imagine. Non, mais je savais que j'aurais pas pu être avocate non plus si on va aller par là. Tu sentais que c'était pas après, possible. Après, c'est les choses de la vie qui font que on a besoin de travailler, on a besoin d'argent et puis voilà. Mais ça c'était un peu c'est quand même quelque chose où tu es allé vers ce métier Après il y a pas de sous-métier, évidemment, et d'ailleurs on voit bien que les ouvriers c'est loin d'être un sous-métier, contrairement à ce qu'on nous essaye alors c'est sous-payé mais c'est pas un sous-métier. Ouais mais du coup tu connaissais un petit peu cette culture, est-ce que tu avais déjà participer peut-être à d'autres piquets ou des manifestations? Mais pas du tout. Okay. Manifestations, j'ai été manifestée bien avant d'être syndiquée à plusieurs reprises. Et je trouvais ça plutôt cool d'ailleurs. Cette ambiance plutôt... Mais carrément. Sinon, avant ça, jamais. C'était pas dans mes... Dans tes cordes à la base, forcément. Non, non. Après, est-ce qu'on a réellement des cordes de base? Non, je suis pas sûre, mais c'était pas. Tu pensais pas. Je jour, pensais pas à ça en fait. Carrément, clairement, je pensais mais, pas à ça. Mais j'imagine que du coup, vous êtes peut-être, peut-être plus facile de se retrouver, peut-être. Alors, je dis ça sans vraiment savoir, mais. Vu que vous êtes quand même beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières, peut-être qu'il y a ce truc de entre vous, peut-être maintenant que tu t'es syndicalisée, tu as peut-être rencontré, lié des amitiés dans ce cercle-là, peut-être ça résonne. On rencontre des personnes formidables. Enfin, j'ai fait des rencontres. Franchement, du coup, des gens qui venaient un peu, est-ce que en dehors des ouvriers, des professeurs, les électriciens, tout ça, mais de tous les... Enfin, de tout et tout de nulle mélange. Part, même des gens qui étaient de nulle part. Non, on rencontre de tout. Et puis, on fait des rencontres formidables qui sont enrichissantes. Franchement, on apprend énormément de choses, que ce soit dans sa vie professionnelle, mais aussi pour sa vie personnelle. Et quand tout à l'heure je parlais de soutien, je pense que le plus gros soutien qu'on peut avoir pendant une grève, c'est son soutien personnel, donc mon mari. Heureusement que mon mari était là, parce que j'ai une petite de 2 ans. Oui, comment t'as géré ça d'ailleurs? Mon mari. Grâce à lui. Ouais. mon mari, donc c'est important. Et puis les premiers jours où on était en grève, il était en vacances malheureusement, et il est venu bloquer vers Baudet à 4h du matin. À ta place. Comme je pouvais pas le faire. Il m'a même dit la prochaine fois que je pose des vacances. lui aussi est ouvrier ou. Il est pas ouvrier, il est coursier. Pour un laboratoire d'analyse. Enfin, il est coursier pour un laboratoire d'analyse. Il conduit une voiture, pas coursier. Donc avec des horaires aussi, j'imagine. Et puis pas un salaire de ministre. J'imagine que le fait que tu te mettes en grève aussi. Et il est syndiqué à la CGT aussi. Il s'est syndiqué en même temps que moi. Et ouais, puis, parce qu'on a des. Moi, j'ai des salariés qui ont abandonné la grève parce qu'elles n'étaient pas soutenues par leur mari ou par leur femme. Donc ça pèse aussi beaucoup. Mais carrément. Mais je veux dire, c'est tellement fatigant psychologiquement que si en plus de ça, dans sa vie de couple, ça devient problématique, c'est pas possible. C'est pas possible. Si mon mari m'avait pas soutenue comme il a fait... Parce que c'est un sacrifice aussi personnel. T'as pas eu de vie pendant ces 84 jours. Mais carrément. Carrément.
J'ai ma fille de 2 ans, je la voyais des fois quelques minutes par jour. Et puis le week-end, on retournait sur le piquet des grèves et c'était pas un lieu pour elle. Oui, parce que pour le coup, c'était là 7 jours sur 7, quoi. Mais oui, et puis moi, elle était petite, hein, donc pas du tout dépendante. Enfin, je veux dire, donc j'ai des collègues qui n'avaient pas le choix et qui venaient avec leurs enfants. Est-ce qu'il y a eu aussi un truc de peut-être garder les enfants les uns pour les autres? Est-ce qu'il y a eu ce truc qui s'est mis en place? Non. Du coup, c'était vraiment... Non, mais j'ai des collègues qui venaient. Moi, j'ai une collègue... On avait un militant hors pair. D'ailleurs, il est prometteur, ce petit garçon. Et il était là tous les week-ends. Sa forme. Et au lieu d'aller à l'école, limite, il disait « Maman, maman, je vais aller sur le piquet de grève. » Evan, futur le grand, petit Evan, ça a été un grand militant. Mais bon, je veux dire, il était en âge de comprendre où est-ce qu'il pouvait aller, où est-ce qu'il pouvait pas aller. Moi, ma fille... il y a 2 ans, j'imagine que c'est pas, pas des conditions. Elle court partout. Voilà, non. Puis avec les flics qui déboulaient nous déloger, enfin, c'était pas du tout un lieu adapté. Adapté il y a pour qui elle. Dit qu'il faudrait peut-être penser à créer des crèches de grévistes. Mais oui, à mais, voir, carrément, hein. Mais carrément. Mais excellente si vous, idée. Hein. Si vous avez des bénévoles, pourquoi pas faire une association. Dans le Nord. Mais ouais, une association pour. Je suis preneuse. Voilà, comme quoi, ouvert à toutes les propositions. C'est ça qui est cool aussi, c'est que. Voilà, dès que quelqu'un peut apporter sa pierre à l'édifice mais, et mais qu'il c'est a des moyens, c'est mais ça c'est qui ce qui est s'est beau, passé quoi. Pour la chanson, là, tout à l'heure, on a mis la vidéo de la chanson, mais on a été sollicité par des femmes, je pense, d'une association ou je ne sais plus trop, on a vu tellement de monde. Mais voilà, et qui s'est dit, est-ce qu'on voudrait mettre notre note dans votre mouvement? Est-ce qu'on peut vous écrire une chanson et que vous la chantez? Et du coup, c'est elles qui vous l'ont écrit. Et c'est elles qui l'ont écrit, elles sont venues donner des cours de chant plusieurs fois. Ah, parce que je me disais, c'était super bien quand mais même. Mais oui, non, mais carrément, elles sont venues, mais il fallait passer le temps. Il fallait faire passer le temps. Oui, d'ailleurs, à part vous faisiez quoi parce qu'on, On a eu tellement de solidarité que finalement, on n'a pas eu le temps vraiment de s'ennuyer, je vais dire ça comme ça. Mais on a aussi... alors, je veux pas me tromper dans le nom, mais alors, ils ont fait un travail aussi. Pendant les manifs, ils font la soupe... La soupe populaire peut-être quelque chose... Peut-être c'est, les gens du chat auront le nom. C'est quelque chose de ce style-là. J'ai plus le nom. Il va peut-être me revenir au fur et à mesure, quoi. Et ils venaient nous faire à manger, en fait. Et on avait le droit à des crêpes. Des repas de roi, quoi. Au caramel beurre salé, avec du chocolat. Mais tout fait maison. Ils sont venus faire des gaufres. Ils sont venus je ne sais combien de fois. Et là, vous aviez le droit de manger des sucreries. Mais carrément, mais carrément. Mais pour rendre le moment un peu plus convivial, et puis on a fait aussi des choses où les salariés ils pouvaient venir en couple avec leurs enfants. On a fait des soirées où pareil, des initiatives de personnes extérieures qui venaient, des soirées karaoké, des qui trucs venaient, comme ça. Mais oui, mais carrément. Mais du coup, c'était sympa, et puis ça permettait aussi aux salariés qui n'étaient pas souvent chez eux de voir des gens et puis de montrer à son compagnon ou sa compagne comment ça se passait, pourquoi on était là, et du coup ils voyaient aussi peut-être les choses différemment. C'est important. C'est important de partager avec sa famille au moins proche quoi ce qui se passe, et de leur en parler, et de parce qu'on a besoin, on a besoin d'être soutenu. Clairement, on a besoin d'être soutenu pour se renforcer, et on a besoin de solidarité. Et oui, besoin d'être soutenu aussi face à peut-être les interventions extérieures. Tu en parlais tout à l'heure, ça me fait ma transition sur les quelques affrontements qu'il y a pu avoir avec... Oh, on a perdu la lumière. La lumière nous a lâchés. Oh, les... Ah, c'est juste les aléas du direct, ne vous inquiétez pas. Oh, d'ailleurs, ça me permet de faire une transition, j'ai complètement oublié de vous dire. On m'a pas prévenu, c'est pas grave. Y a un petit cadeau pour la fin, j'en profite hein, pendant ce temps-là. Y a un concours, voilà, si vous tapez point d'exclamation concours dans le chat, on fera un tirage au sort à la fin de l'émission, j'ai complètement oublié de vous le dire. Bon, c'est pas grave, maintenant que vous êtes un peu nombreux. Vous avez l'occasion de gagner 5 casquettes CGT, ainsi que 5... je suis au téléachat de la CGT, c'est incroyable. 5 bananes CGT, voilà, avec un S, le concours, bien sûr. Alors, une seule participation suffit. Et je ferai un tirage au sort, donc vous serez 10 gagnants, 5 pour chaque.
Voilà, franchement, n'hésitez plus. J'ai l'occasion de vous faire gagner ces magnifiques items de la CGT. Donc voilà, je sais que ça allait vous réveiller. Voilà, comme ça, ça me permet d'en parler. J'ai complètement oublié d'ailleurs, mais voilà, comme ça, à la fin de l'émission, je ferai le tirage au sort et les regagnants pourront du coup s'équiper aux couleurs de la CGT. Voilà, c'était la petite transition. Et on va reprendre tout de suite la discussion. J'ai complètement oublié, ça m'est revenu en tête. Voilà, désolée, j'aurais dû vous le dire au début, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas. Si peut-être dans la modération, on veut épingler un message pour les gens qui arriveront après, je vous laisse le faire. Oui, du coup, on parlait un truc un peu plus sérieux. Vous avez eu des affrontements, t'en as parlé avec notamment la police. On a une de notamment, alors plusieurs, mais notamment une de tes camarades qui a fini aux urgences. Ça s'est passé comment? Parce que j'imagine aussi sur ce piqué où il y a de la joie, etc. Bah, ça doit aussi créer un tension, un climat de peur. Ça s'est passé comment avec du coup la police et leurs interventions? Mais ce qu'il y a, c'est que déjà en faisant ça, je pense que la direction elle avait l'espoir de nous faire rentrer par peur. Mm-hmm. Oui. Je pense. Enfin, j'en suis même persuadée. Encore une fois, ça a été un échec total pour eux. Mais les filles, elles sont sorties, elles étaient en colère contre la direction parce que voilà, on n'était pas augmenté, parce que on a des salaires au ras des pâquerettes, parce que qu'on ait un an d'ancienneté ou 40 ans d'ancienneté, ben on est au SMIC. Voilà, pour plein de raisons qui restent financières. Ils justifient ça comment? Parce que c'est vital. Ben, ils ne le justifient pas. Ok, très bien. Tout simplement, ils ne le justifient pas. Donc, parce qu'ils n'ont pas de raison de le justifier. Mais voilà, c'est à un moment donné, parce qu'on nous a dit, oui, mais regardez, vous faites grève. Vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'argent, mais vous faites grève. Vous n'en avez pas. Mais à un moment donné, j'ai envie... C'est pas logique. C'est pas logique. Ben, déjà, si on ne le fait pas, on n'aurait pas obtenu... Oui. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas obtenu ce qu'on a eu. Mais à un moment donné, j'ai envie... Merde pour merde, en fait, financièrement. Hein. Merde pour merde. Oui. Déjà, tu n'en vis déjà pas. Donc, est-ce que tu vas moins en vivre? Enfin, voilà, c'est un choix. Et finalement, ça nous a permis de gagner 140 euros d'aide. Donc, ce n'est pas négligeable. Oui. Donc, les filles, elles étaient en colère. Et puis, au fil du temps et au fil... de ce qu'on a vécu, hein, notamment la répression policière qui a été inacceptable, elles avaient la haine, en fait, contre la direction. Et du coup, vous avez quoi? Vous avez des camions qui sont arrivés... Ça faisait que renforcer votre détermination. Leur colère et notre détermination, parce qu'effectivement, on était plus que déterminés. Et à chaque fois qu'on avait un camion de service qui venait déloger le piquet... Est-ce que ça crée un... Vous voyez arriver, vous aviez un peu peur? C'est peur, non. Pas peur? Non. Peur, mais vous craignez un peu, j'imagine, leur ce qu'ils allaient faire? C'est peut-être impressionnant, ouais. Parce que... Et d'ailleurs, j'en ai même rigolé la première fois. C'est que la première fois où ils ont déboulé, mais on parle de 11 camions de CRS. Hein, alors que vous étiez... alors que, ben, on était... Une centaine, quoi. À la base, une centaine, donc la première fois. Et en sachant qu'on avait autant de CRS... que de personnes oui. En grève. Et j'avais même dit au CRS, ben pour une fois, il y a l'égalité homme-femme dans l'entreprise, quoi. Mais non, mais franchement... Et toc. Mais non, mais c'est quasiment que des femmes. Est-ce que vous avez besoin d'employer autant d'hommes? Vous pensez qu'on va rentrer? Et ça prouve vraiment qu'ils n'avaient pas spécialement envie de faire autre chose que de vous apeurer, quoi. Mais c'est ça, c'est ça, ils pensaient vraiment, parce que faut savoir que la moyenne d'âge chez Verbaudet, c'est quand même entre 40 et 50 ans, donc voilà. Oui, c'est, en plus, du coup... C'est des femmes qui n'ont jamais affaire à la police, enfin, voilà, elles étaient juste en train de faire grève, quoi. Donc, il y en a certaines qui ont eu très peur. Après, d'ailleurs, ça s'est passé comment? On était là pour les rassurer. Donc, la première fois qu'ils ont dégagé le piquet, ça s'est passé. Ils arrivent, ils prennent ce qu'il y a. Ils prennent tout. Ils prennent tout. Il y avait tout. J'imagine, à part des banderoles et des palettes. On avait des tonnelles, parce qu'il faut savoir qu'on était dans une période où la température, déjà, elle n'était pas. Vous avez commencé au mois de mars, donc. Mais carrément. Et puis, c'est le nord, donc le niveau pluie. Voilà, donc ça nous abritait quand même un peu. Ça nous a, donc ils nous ont tout embarqué par le peu de choses qu'on a réussi à récupérer et qu'on allait cacher entre deux pour pas qu'ils prennent, quoi. Tous les jours, on avait les CRS sur le piquet. Tous les jours.
tous les jours. Donc, des fois, ils étaient 10, des fois, ils étaient 50, 60. Enfin, c'était impressionnant. Et ils vous ont délogé combien de fois? Ils nous ont délogé plusieurs fois. Combien, franchement, je ne les ai pas comptés, mais à plusieurs reprises. Et notamment, une fois où moi, j'y étais pas, c'était rare que... J'y sois pas sur bon, le piqué. T'as quand même besoin de te reposer aussi des fois. Non, mais là, j'étais devant Equiston, à Paris, en fait. Okay. Ah oui, c'est quand donc, vous êtes descendu à Paris, d'accord. Voilà, et là, il y a eu un... Pareil, ils nous ont envoyé je ne sais combien de camions de CRS. Et ils ont même volé votre plaid, apparemment. Ils ont... Ouais, c'est vrai. Ils ont délogé le piqué d'une manière... Je recevais... Moi, j'étais en route pour Paris, quoi. Oui, donc tu devais aussi être pour un peu... aller devant le siège. Mais je recevais les vidéos de mes collègues, j'entendais hurler, mais parce qu'ils employaient la force contre des femmes, contre des mamies, sans pitié, quoi, sans aucune humilité, je sais même pas, c'est inhumain, clairement. Vous avez un peu essayé de discuter avec eux Mais on leur a dit, mais regardez, c'est des femmes. Plusieurs fois, on a été confrontés à la police. Hein. On leur disait, mais c'est des femmes, elles font grève parce qu'elles n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. C'est pour ça que les femmes, elles font grève. Oui. Parce qu'elles n'arrivent pas à se nourrir, parce qu'elles n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. C'est pas, on n'est pas sur un... Enfin, je ne sais même pas comment... On est là pour nos enfants. Et vous écoutez. Parce que Verbaudet, le slogan « Les enfants d'abord », et je le dis et je le redirai, « Les enfants d'abord », oui. Oui, parce que Verbaudet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de textile pour enfants. Oui, c'est une entreprise de périculture. De périculture. Donc, Verbaudet, c'est « Les enfants d'abord », mais encore une fois, on l'a dit sur le piqué à plusieurs reprises, « Les enfants d'abord », oui, enfin, les enfants des autres, parce que les nôtres, ils peuvent crever de faim. Ça ne dérange personne, hein, clairement. On leur disait au CRS, vous n'avez pas honte, vous dormez bien la nuit. Et ils nous regardaient, ils nous disaient, mais oui, on dort très bien. Mais oui. Ah, donc ce mépris en plus de leur part. On a eu une milice. Et c'est là où je reviens sur le truc où notre siège social est dans la même rue que l'habitation de Darmanin. Donc tout est lié. Tout a un rapport. Oh là 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 là. Tout a un rapport. C'est le préfet, la direction Verbaudet, Darmanin. Ils ont fait un... Ils ça a rajouté aussi de la tension aussi, peut-être le fait qu'il voulait pas que ça y ait trop de chahut à côté de chez lui, peut-être. Mais c'est ça. Comme ça. Et puis, si on cède aux salariés de Verbaudet, après c'est parce qu'il y en a des usines. Ah bah oui, ça peut faire un effet domino. Hein. Mais c'est ça. Et c'est ce qu'ils avaient peur de l'effet boule de neige en fait. Se dire que si on accorde quelque chose à ces salariés-là, il y a eux qui vont suivre eux. Et j'espère que ces gens vont suivre parce qu'il y a tant de hausse. C'est un peu comme chez nous, hein, le dialogue social, ça sert à rien. Ouais. Non, mais clairement, faut oublier le dialogue social. Et que les actions. On pisse dans un violon, c'est exactement la même chose. Hein. Non, mais faut oublier le dialogue social. À un moment donné, il faut les affronter. Faut les affronter et c'est le rapport de force qui fait gagner. Parce que bon, les mots, ils en ont un peu rien à faire. Donc, on a eu ce jour, je vais revenir là-dessus parce que je me suis un peu éloignée, mais ce jour où je recevais donc des vidéos de mes collègues, mais en hurlant à la mort, et notamment donc Claudia, hein, qui a été... Presse a fait un article sur ce qui lui est arrivé. Hein, mais carrément, mais il faut savoir qu'elle a été délogée, elle ne touchait même pas le sol. Donc c'est un petit bout de femme, hein, Claudia, 1m60, enfin, j'espère que je ne vais pas la... mais voilà, 50 kilos, enfin, clairement un petit bout de femme. Et donc le CRS qui la tenait carrément, mais avec son bras par le cou, elle ne touchait même pas le sol. Elle a fini aux urgences, il lui est arrivé... Elle a eu plusieurs jours d'ITT... Enfin, voilà, on a eu même trois camarades des soutiens de l'UL de Tourcoing aussi qui ont été en garde à vue. 36 heures de garde à vue. Donc complètement abusif. Jusqu'à 36 heures de garde à vue, sans aucune raison valable, en fait. Juste parce qu'ils étaient sur le piqué en soutien. Et d'ailleurs, ça s'est fait dans le même contexte, du coup, comme tu dis, de la réforme des retraites, des mobilisations. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'entraves, notamment des abus, des gardes à vue abusives, etc. Mais oui. Est-ce que vous avez vraiment senti qu'il y avait une entrave à votre liberté carrément. Syndicale, etc. Mais carrément, mais je vais en revenir après, parce qu'à la fin, c'était carrément, c'était même plus que de l'entrave à la liberté. Mais donc, on a des soutiens qui ont été jusqu'à 36 heures de garde à vue. Et au moment où ça s'est produit, donc on avait une...
On avait une brochette de CRS qui bloquait la route et qui nous empêchait, même nous, en tant qu'élus et délégués syndicaux de Verbaudet, de rentrer dans l'entreprise. Alors qu'ils vous connaissaient au bout d'un moment, oui, j'imagine, mais c'est tout les mêmes. Mais bien sûr, mais les CRS, quand ils étaient devant moi... Il y a un moment, je me suis retrouvée, donc ils ont embarqué les soutiens et je me suis retrouvée seule avec mon collègue qui est aussi délégué syndical CGT. Et il nous disait, mais la prochaine, c'est toi. La prochaine. Mais c'est, encore une fois, c'est de l'intimidation. Oui, c'est de l'intimidation. Mais je lui disais, mais. Parce que du coup, ils n'avaient pas le droit en plus. Enfin, je veux dire, t'es élu. Mais je lui disais, mais sous quel prétexte vous allez m'embarquer? Enfin, à un moment donné, il faut des raisons. Juste parce que je suis là sur un trottoir en train de marcher. T'as pas fini en garde à vue, toi Ah non. Mais c'était encore une fois des menaces d'intimidation où ils m'ont poussé à plusieurs reprises. Et donc, tout ça, tu penses que la direction a clairement laissé faire? Ah, mais oui, mais de toute façon, ils étaient tous de connivence. Que ce soit le Darmanin, le maire de Saint-André, là, que je ne remercie absolument pas, parce que la seule chose qu'il retient de nous, c'est qu'on a abîmé son bitume. Voilà ce qui a été dit. Non, mais à un moment donné, c'est... Réfléchir. Hein. Mais carrément. Mmh. Enfin, on a su qu'ils se voyaient en off le dimanche pour faire des réunions. Comment intimider les salariés de Verbaudet pour les faire rentrer? Mais d'ailleurs, ça m'amène à une question qu'on n'a pas forcément abordée. Mais comment ils en sont venus à céder? Parce que visiblement, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient affaire à un mur de... Et d'ailleurs, ça s'est fait comment? Ça s'est fait un peu du jour au lendemain? Ah ouais, carrément, on s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Vous avez reçu un courrier un jour, s'est fait comment? Non, on avait rendez-vous pour des... Parce que des réunions de négociation, on en a fait. Hein. Ah, qui a mené à rien, parce qu'on nous a proposé de travailler plus pour gagner plus. Hein. Mais faites des heures supplémentaires. Vous ont proposé des primes aussi. Faites des heures supplémentaires. Et on nous a même dit, à un moment donné, on a notre DRH, qu'on n'avait pas vu depuis X temps, qui est venu sur le piquet. La seule et unique fois où il est venu sur le piquet de grève, un après-midi, qui nous a dit, mais si on ne vous augmente pas, c'est pour pas perdre vos droits à la CAF, la prime d'activité. Ah oui, donc ils veulent vous tenir en disant, si vous êtes payé plus, vous n'aurez pas la CAF. Mais oui, non. D'accord. Mais ça a été... Ah non, mais on est passé par des situations, mais ça a été... Je crois que les gens sont un peu indignés dans le chat. Mais on en rit maintenant, parce que Il y a quelqu'un qui précise que c'est peut-être maire de Saint-André, mais le maire de Marquette, peut-être, voilà, juste histoire d'être... Bon... C'était quelqu'un peut-être, qui l'a précisé. Peu importe. Il me semble qu'on m'avait dit Saint-André, mais c'est pas impossible, effectivement. Peu importe, en tout cas, voilà. Et pas de soutien, en tout cas. Et du coup, j'avais répondu à mon directeur RH parce que j'avais dit, mais pourquoi? Parce que mon employeur, c'est la CAF. Moi, je vais être. Mais je lui dis, mais si vous mettez nos salaires. C'est des excuses, Si on nous payait un vrai salaire, on ne parlerait même pas de la CAF, on n'en aurait même pas besoin, finalement, de la CAF. Oui, c'est ça. On n'en aurait même pas besoin. Et tant mieux. Mais oui, non, mais carrément. Parce que vous pensez vraiment que c'est une fierté de dire « Wow, je touche la prime d'activité ». À un moment donné, non. À un moment donné, non. Il y a vraiment de tout ce que tu as dit, il y a vraiment énormément de mépris qui ressort. Mais de toute façon, on a le droit à tout. Enfin, clairement, c'est parce que je vous dis, il y a des choses que j'ai oubliées. Mais on a eu le droit on a quand même évoqué tout et n'importe quoi. Ouais. Des choses dont vous attendiez pas du tout. Oui, à chaque fois qu'on allait en réunion. Mais de toute façon, on n'est jamais resté jusqu'à la fin d'une seule des réunions parce qu'on on nous vendait des trucs, travailler plus pour gagner plus. On va mettre des heures supplémentaires en place tous les jours jusqu'en décembre 2024. Comme ça, ça vous fera de l'argent en plus. Mais non, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande, en fait. Nous, ce qu'on vous demande, c'est que notre salaire net, il change tous les mois. Que ça compte pour notre retraite. Parce que oui, effectivement, oui, parce que c'est primes, très loin. Peut-être c'est les très gens, très loin, mais un jour, on espère avoir une retraite. Parce que les gens peut-être ne le savent pas, mais quand tu as des primes, c'est pas calculé pour tes droits à la retraite. Mais non, on a fait des négociations annuelles obligatoires où on nous a donné en augmentation générale 0%. Enfin, c'est du jamais vu. À quel moment on donne 0% d'augmentation générale? Ah oui, on vous donne une prime PPV... Mais c'est pas Et du coup, au final, vous avez obtenu exactement ce que vous demandiez en termes d'augmentation ou des salaires parce que vous avez obtenu ce que vous demandiez, mais est-ce que c'était à la hauteur de ce que vous aviez En gros, nous, à la base, en revendication, on avait demandé, si je ne me trompe pas, 300 euros net. Mais c'est pas 300 euros qu'on s'est dit un matin, tiens, aujourd'hui, on va demander 300 euros parce qu'on a envie de 300 euros en plus. Non, c'est pas ça. C'est quand nous, on a fait les négociations annuelles obligatoires, donc la CGT Verbaudet, les élus, on a distribué un papier aux salariés
un papier anonymat, hein, à l'anonyme, en disant combien il vous manque tous les mois pour vivre. Et de ça, en il fait, est ressorti à peu près on a fait une euros. Moyenne, donc on s'est retrouvé avec un tas de papiers. Et de ça, on a fait une moyenne et c'était équivalent à 300 euros. Il manquait 300 euros par mois aux salariés pour pouvoir vivre. J'imagine que si on a des enfants. Je ne vais même pas dire correctement parce que clairement. Oui, voilà, c'est le minimum. Mais voilà, pour survivre. Voilà, vivre au minimum. C'est donc ça. C'était même pas un sacrifice pour et ces papiers, on les a ramenés en NA ou à la direction. On leur a donné ce tas de papiers. Ils en ont... Bah, ils en ont rien fait parce que franchement, on était inexistants pendant du coup, vous avez obtenu ces 300 euros net au final ? Non. Non. Non, mais on savait pertinemment qu'on ne les aurait pas. Mais passer de 300 à nous proposer zéro... Oui. À un moment donné... C'est compliqué, quoi. Mmh. Donc, on avait... suivi nos revendications qu'on avait mis en négociation annuelle, tout en sachant que les salariés ils voulaient 150 euros net et on arrivait à 140 euros net. Bon. Donc c'est très bien. C'est un bon début. C'est un après, bon c'est début, pas fini, mais c'est un bon comme début. Comme tu le disais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire ah bah, ça a été signé le protocole de sortie de grève, mais en fait c'est pas fini. Vous êtes plus en grève, on mais plus, ça veut pas dire que vous n'êtes plus en, pas. On n'est plus en grève, mais encore une fois, non. Maintenant qu'il y a une section syndicale qui s'est montée. Le combat, il continue. Je l'ai dit au début. Le combat, il continue. Je voulais aborder un dernier point. Tu vois, c'est passé assez vite, hein, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Donc, je t'avais dit que ça allait passer vite. Je voulais un peu aborder avec, du coup, une tribune qui a été diffusée. Dans le monde pendant votre lutte. Alors pardon pour la vidéo, excusez-moi, hein, c'est aléa du direct. Il y a une tribune donc qui est parue, notamment qui a été signée par de nombreuses figures politiques, mais aussi des figures syndicales comme Sophie Binet et d'autres personnalités féministes, etc. Pour mettre en avant aussi ce combat qui a été mené, même si il y avait aussi des hommes parmi vous. En grande partie par des femmes, ce qui est assez inédit quand même. Est-ce que tu ça m'a posé la question de me dire est-ce que il y a eu aussi autant de mépris que ce soit de l'entreprise ou même des forces policières aussi dû au fait que vous étiez des femmes et qu'on avait du mal à prendre au sérieux votre combat quoi. Est-ce que tu penses que ça a été déjà je vais revenir sur un point, c'est qu'on n'a pas fait grève parce qu'on était des femmes. Bien sûr. On a fait grève parce que les salaires, ils nous permettent pas de vivre. Parce que c'était vital, il fallait qu'on soit augmenté. Bien sûr. Donc, après, qu'on soit homme, femme, qu'importe, quand on a faim, on a faim. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'était vous, mais ça n'a pas été une grève féministe. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé aussi de se dire on va essayer de mettre en avant aussi des métiers qui peuvent être souvent malheureusement je pense qu'il y a eu autant un aussi gros élan de solidarité parce que effectivement on était des femmes, beaucoup beaucoup de femmes. Encore une fois, il y avait des hommes, hein, mais on était 80% de femmes. Donc je pense que ça a attisé la curiosité aussi des gens. Et puis je pense que c'est ce qui a mené au fait qu'on ait eu autant de solidarité. Parce que, 120 salariés en grève et sur 120, on devait être 100 femmes. 80%, donc ça devait être une moyenne comme ça. C'est pas commun, c'est pas commun. Mais ça n'a pas été une grève. Enfin, moi, je ne me vois pas du tout féministe. D'accord. Oui, c'était. Vous, c'est pas quelque chose que vous avez mis en avant et ça a été un petit peu récupéré. Mais pas du tout. Donc, après, je comprends dans le sens où, effectivement, on était 80% de femmes et voilà. Souvent dans les luttes. En général, c'est les hommes qui font grève. En tout cas, c'est ceux qui sont mis en avant. Mais oui. C'est pas du tout pour justement, au contraire, c'est même encore plus du coup impressionnant parce que vous avez sûrement peut-être eu encore peut-être plus de bâtons dans les roues parce que tu vois, on le disait, le fait qu'ils aient été surpris que ce soit toi qui mènes, alors peut-être pas forcément lié au fait que t'es une femme, mais avec ce tempérament peut-être qui était un peu méconnu par. Pour l'administration, peut-être qu'ils ont sous-estimé aussi votre force de résistance, de résistance aussi face aux gros camions de la police, qui pour le coup, eux, sont des hommes. Tout a été fait pour faire peur
aux femmes. Je pense que si ça avait été à l'inverse, si on prend l'exemple de Valdum où je suis allée, c'était que des hommes, ils n'auraient pas mis autant de CRS. C'est fou. Mais oui, alors... non, mais c'est certain. C'est certain. C'est certain. Ils voulaient faire peur. C'est tout. Ils voulaient nous intimider. La direction, ça fait 60 ans qu'elle vit pour intimider. Ils sont formatés pour intimider les salariés. C'est leur base. Donc, ils se sont dit, on va continuer et puis on va se mettre en relation avec le préfet parce qu'ils ont quand même le bras long. Hein, et puis, on va continuer dans cette lancée. Mais non, en fait, à un moment donné, on est sorti pour dire stop à l'intimidation. Qu'elle vienne de l'intérieur, de l'extérieur, on dit stop. C'est tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a aucune raison qui fait qu'on serait rentré. Pourquoi ? Parce qu'il y a 100 CRS. Je veux dire, la grève, c'est un droit. Ouais, mais bon, quand on voit que... Quand on est dans nos droits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On finit quand même aux urgences, etc. Ça peut légitimement intimider. Enfin, mais non, mais au contraire, ils ont... Il fallait pas. Au contraire, franchement, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. En fait, ils ont tout fait... Pour vous à l'inverse de ce qui... Ouais. Bah oui, parce que finalement, encore une fois, ceux qui ont gagné, c'est les salariés qui ont lutté, qui ont affronté la direction pendant 84 jours, qui ont montré à la direction que maintenant, il fallait mettre un terme à ces conditions de travail, il fallait mettre un terme à tout, enfin, je veux dire, il y a plein de sujets, voilà, à tout ce qui n'allait pas, et que... On était déterminés. On savait ce qu'on voulait plus. Et pour ça, on aurait donné tout ce qu'il fallait. On savait ce qu'on voulait plus. Et c'est ce qu'il fallait garder en tête. C'est ce qu'on a gardé en tête tout le long de ce combat. C'est se dire ça, on n'en veut plus. Et pour un moment faire stopper ça, il faut se battre. C'est malheureux, mais on a rien sans rien. Hein. On a rien sans rien. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. C'est exactement pareil. On a rien sans rien. Et oui, ce sera un petit peu notre mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce qui vous a déterminé? Qu'est-ce que vous allez continuer? Voilà, comment ça va évoluer, tu penses, dans les prochains mois, voire les prochaines années? Quel élan ça a donné tout ça au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter globalement, de faire un carton plein aux prochaines élections. CGT en force. Je pense que ce sera pas mal. C'est super chouette. J'étais en train de regarder, pardon, parce que je pense qu'on a fini. Enfin, s'il y a des choses que tu voulais évoquer, mais je crois que le concours n'a pas marché, parce que je ne vous vois pas utilisateur dans le chat. Attendez, je vérifie. On a un petit problème. Malheureusement, je n'arrive pas à faire le tirage au sort. Je pensais que ça avait marché. Non, on me dit qu'il n'y a pas de participants dans le chat. On va peut-être faire autrement du coup. Les aléas du direct, ne vous inquiétez pas. Peut-être que je vais juste saisir aléatoirement des gagnants et des gagnantes parce que je n'arrive pas faire le tirage au sort. Dans la modération, est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une certaine manière ? Je peux aussi choisir des gens au hasard. Hein, on va faire un peu de briquet de broc. Est-ce que le... Oui, c'est cassé. On a des casquettes à vous faire gagner. Mais voilà, c'est un peu les aléas du direct. Je crois que juste, on n'a pas sélectionné le... Ouais, c'est cassé. On n'a pas sélectionné le bon bot. Hop, hop, hop. Comment on fait ? Je gagne une casquette. Ou alors on reporte à la prochaine émission, comme vous voulez. Je veux gagner une casquette. Il y a quelqu'un qui l'a vu réellement. Hein. Ouais, il y a des gens qui l'a... Mais il y a beaucoup de gens qui l'a vu. Je veux gagner une casquette. Ouais, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Faites deux concours. Bah non, mais ça va pas fonctionner si je fais comme ça. Je vais réessayer une dernière fois. On a encore un tout petit peu de temps devant nous. Désolée, c'est un peu... Hop. Non, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Bon, vous savez quoi ? On va faire autrement. On va faire les aléas du direct. Vous allez tous marquer et je vais choisir au hasard. Hop. Vous pouvez le faire maintenant. J'ai déjà la casquette. Je veux la banane pour parfaire mon look. Eh bien, vous mettez point d'exclamation concours. Alors, ça va être un petit peu, malheureusement... Sinon, il faut prendre les cinq premiers. Cinq premiers.
Mais il faut que je les note surtout, si je les prends au hasard. Ah ouais, parce que quand c'est parti en fait. Oui, en fait, c'est parti. Ouais, non, en fait, je peux remonter dans le chat, tu vois. Mais d'ailleurs, le chat qui s'affiche plus, désolé. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Eh bien, vous savez quoi, on va garder le chat et on va sélectionner 5 gagnants après l'émission et on vous contactera. Comme ça, ce sera la meilleure manière de vous faire gagner tout ça. Comme ça, on va pouvoir arrêter cette émission. Mais ne vous inquiétez pas, on garde le chat avec nous. Et puis, on fera une sélection aléatoire. Dame douée. Je vais te faire la liste. Et ben voilà. Dame douée. Voilà. Je pense savoir, avant de raconter. Oui, il me semble qu'il y a des camarades à toi qui sont là. Coucou Mathieu. Voilà. Si d'ailleurs, tu as envie de, peut-être, avant de, qu'on se dise au revoir, peut-être envie de remercier des gens ou des choses comme je ça. Je remercie toute la CGT déjà. Hein, toute la CGT. Et puis. Et puis, mon mari, forcément. Ce soutien qui a été là, qui était d'ailleurs dans le chat. Et qui était primordial pendant la lutte. Et puis, tous les salariés de Verbaudet, franchement, elles ont fait un travail... elles et ils ont fait un travail monstrueux. Et puis, qui gardent cette solidarité, parce que c'est ce qu'on se dit tout le temps. Hein, dès que je leur parle, je leur redis. Mais, la solidarité. Mais c'est leur force qui garde cette union. Et puis... Ok. Bah, c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup d'avoir, d'être venu, d'être déplacé, d'avoir pris le train ce matin, tôt quand même. Hein. Ouais. Presque raté le train, je crois. Non, c'était une blague. Ah, c'était une blague. Non, c'était une blague. Enfin, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez appris des choses. Le local revient dans 2 semaines. Et je ne sais pas si je tease, en tout cas, vous serez en compagnie de Usul, puisque on va s'alterner sur les émissions. Et moi, je vous retrouve donc dans 1 mois avec une petite surprise, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast, même en VOD, hein, donc en replay pour ceux qui seraient arrivés peut-être à la fin ou qui auraient envie de revoir... l'émission. Il y aura aussi plein de clips, plein de tout ça. Donc merci pour toutes celles et ceux qui ont fait des clips pour qu'on puisse diffuser sur YouTube, sur TikTok et que la CGT soit partout, voilà, partout sur les réseaux. Merci à toutes et à tous. Et puis je pense qu'on peut mettre un terme à l'émission. Hein, prenez soin de vous, passez une super journée et je vous dis à bientôt. Salut Manon. Au revoir. Au revoir.